Tu vois qu'il est prêt là. Regarde sa gueule. Ouh, t'as dégonflé, gros. Ça va, la sangle abdominale c'est mieux gros. Refais juste, c'est pour le dos le truc que je vais t'expliquer la dernière fois. C'était. Ouais, il commence à serrer d'ici, tu vois. Et après, bam. Parce que je pense qu'on peut gratter. Ouais, à partir d'ici, commence déjà à. En fait, non. Contracte pas comme ça. Genre, viens écraser le grand dorsal avec tes bras contre. Ouais, comme ça. Ouais, tu viens me tirer loin. Ouais, comme ça, on voit mieux là. Encore plus. Encore plus, gros. Ouais. Là, on voit. On voit les petites raies là, tu vois. Là, c'est mieux. Ouais, c'est bien. Monte le triceps, tends le bras. Ouais, c'est bien. Un petit. Clac, clac, clac. Allez, ça part. Tu remets un slip body et tu défonces tout le monde comme. Alors, refais-nous juste l'enchaînement. Attends, juste un truc. Refais-la la dernière là. Parce que là, t'as les bois un peu plates, mais celui-là, à chaque fois, je me dis, et si tu le rapproches un peu, est-ce que ça va pas plus gonfler? Va pas tourner, mais juste. Rapprocher, est-ce que ça gonflerait pas plus? Trouve pas? Je sais pas. Après, de toute façon, là, t'es plat donc. Ouais, mais je sais que d'habitude, il est plus. La sangle de face, elle est mieux, hein. C'est bien. Mais si tu tapes un bon gros mos musculaire. Garde. Garde, cet enfant est en 212. Attends, je vois juste où on en est pour la diète aujourd'hui. Celui-là, il te reste combien de repas? T'as fait quoi? T'as fait 1, 2, 3 ou 1, 2? 2. Ouais. Intra. Ouais, ok, c'est tout. Okay. J'ai fait un sac de 500 grammes, tu vois, de. De sel, enfin les gros cristaux quoi. Comme ça, je prends des poignées. Ok, d'accord. Parce que tu vois, aujourd'hui, on a fait. Bon, tu t'entraînes, donc il y a 8 litres et 4 grammes de sel. Mais comme demain, tu t'entraînes pas, je veux faire la même chose. Mais forcément, tu bois pas pour t'entraîner, tu transpires moins. Donc forcément, on baisse un petit peu le sel. Donc il faudrait que ce soit précis. Et 1 litre d'eau de moins. Ok. Et ça va être le même ratio, plus ou moins. Donc t'as pas à t'en faire. Ça, ce matin, c'était compliqué parce que j'ai eu juste blanc d'œuf. Mais après, toi, tu fais des trucs, en fait, t'es excité de la journée, de venir et tout, de retrouver tout le monde. Et de dire, bah, putain, en fait, maintenant, quand tu m'as envoyé un message de dire, ouais, fais 400 grammes cuit de riz, j'ai fait, ah, ça va bien, là. Donc, non, mais finalement, franchement, ça va. Je m'attendais à tirer un peu plus le niveau fatigue et tout ça le mercredi, jeudi. Finalement, mercredi, c'était vraiment dur.
Mais là aujourd'hui ça va. T'as pas trop. Tu te sens pas trop pump et tout? Non. Non. Bah tu. J'ai vraiment que dalle. Demain tu bosses de quelle heure à quelle heure? C'est le soir, c'est ça? Demain je fais 10h, 14h. Et je fais 17-21. Ok. Sachant que la pause de l'après-midi, vu que j'ai pas d'entraînement, je vais essayer de repasser chez moi pour adapter pour les repas, etc. Mais ouais. Ça reste quand même un peu speed, tu vois. De toute façon, je te donne un truc prédéfini. La confiture, d'ailleurs, j'en ai pris. Miel, miel ou confiture, c'est pareil. Peu importe. J'en ai pris une. Par toi, est-ce que je te tape la moitié de ta confiture pour manger? En vengeance. Ah, ouais, si tu veux, hein, t'as je rigole, gommé, hein. Tu sais, la veille de son régio. Putain, gros, j'ai une bonne envie de crème, de galette de riz et de confiture. C'est bizarre. En plus, j'ai fait genre 4-5 galettes de riz et tu me regardes, tu fais wow. Épisode 2. Boucherie numéro 2 avec une épée cette fois. Putain, ouais, vraiment. En fait, j'ai envie d'avoir une photo où t'es dans un resto, tu vois. On est tous ensemble, il y a un énorme burger et je suis comme ça là avec l'épée là. Incroyable. Putain, je veux ça en fait. En plus, normalement en classe A, on va pas être beaucoup. Le mec de. Le coach de. Qui a République là, il m'a dit normalement on est 5, lui il amène un gars. Du coup, on va faire. Attends. On va faire. Tu bois que de l'eau jusqu'à ce soir. 75. Alors, tu prends pas la tête, gros, c'est pas grave. On va faire juste un peu plus qu'il y a prévu. On va sortir ta balance, on va le faire. Tu pourras le mettre. Vas-y. Oui. Le 3. Tes légumes, tu les mets si tu veux, on s'en fout. Je pense que tu les as déjà prêts. Ouais, c'est déjà prêt. Tu fais juste 1 gramme d'huile d'olive. C'est cuit, hein. Donc, je mets 100. Tu mets 220 ou 210. On s'en fout. 2,4. Faut être 2,4. On s'en bat les couilles, on cherche un effet. Il est pire que toi. Hein. Mais précis. Cinquième, tu fais la même chose. Pareil, les légumes, on s'en fout, tu les balances dedans, tu les manges, pas gênant. Et 5, tu fais comme d'hab, ok? Avec dandelion, machin, là aussi. Ok? Ok. Je te screen. Ouais. Je veux pas que samedi matin, tu te réveilles et je me dis putain, merde, il est pas assez plein, tu vois. Genre. On va tempérer, puis. Avant de te coucher ce soir, Amy, tu me feras des photos. Et puis demain matin aussi. Et voilà. Mais de toute façon, demain, enfin, de toute façon, prépare tes trucs en avance pour demain. Mais si je ne vois pas du soir, on gonflera s'il faut. Après, ce soir, moi, je termine à 21h30 si je peux pas partir plus tôt. Mmh. Le temps de rentrer, le temps de raser, le temps de manger. Tu me fais pas des photos, alors on s'en bat les couilles. Ouais. Tu descends, tu fais 5 minutes de vélo, faire circuler le sang juste, comme t'as pas beaucoup de pump, comme ça va mieux assimiler, tu vois. Tu vas tout fumer, tu fumes rien. À chaque fois, c'est ça. Ah non, mais c'est vrai, on faut pas être sur le je vais tout dire. Non, mais je te dis, il a un tarbon avec une épée. Mais tous les jours, c'est. Il fait le mec humble. Trace bien le pec quand tu finis après, ouais. Ok. T'as combien de litres d'eau, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et demi. T'en restes 2, non, il t'en reste... c'était 7. C'était 7, ok. D'accord. C'était 7, et là, il me reste genre ça dans la bouteille. Ok, continue. Comme je t'ai dit, tire-le de loin, et tu le tires... tu le contractes fort. Rapproche tes mains, tes bras, voilà. Ok, bien. Quand tu vois à la fin, quand tu le tasses là et tu baisses les épaules, il ressort mieux. Abdo. Abdo. Voilà. Parfait. Donc là, t'as fait tout ton sel. Il reste juste l'eau, c'est ça? Il y a tous les repas tout seul qui a été pris. Ouais. Okay. Refais un tour. Digestion, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Après, contracter les abdos, là, ça reste un peu difficile. T'as mangé? Ouais. Bien, ça va. Voilà, très bien. Ok.
Voilà, ouais, monte bien le triceps. Ok, c'est bien. Ok, là, sur celui-là, vas-y. Et là, appuie vers le bas, là. Tu sais, comme tu fais. Voilà, et là, on voit mieux. Là, on voit mieux, tu vois. Donc, garde surtout comme ça, ouais. Et là, t'ouvres. Ok, ouais. Le dos, comme d'hab, hein, contracte pas, hein, tu t'étires, c'est tout. Voilà, ouais. C'est vrai ? Ouais. Et les contractes, ça donne quoi ? Les contractes, ça raccourcit souvent. Ok. Tu vois, tu peux être encore un petit peu plus plein. Surtout de dos, tu vois. Épaules et dos. Mais niveau sèche, c'est sympa. Niveau sèche, c'est bien, tu vois. L'eau, je m'en fous un petit peu parce que, comme je t'ai dit, je veux vraiment que tu sois plein. De toute façon, demain après, enfin, demain midi, tu vois, quand tu vas passer début d'après, genre, de toute façon, on va pump, on va remettre du sel et tout, ça va aller, tu vois. Donc, je m'en fous, tu vois. Là, on voit bien les détails et tout, ça va venir. Ouais. Il y a juste, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les épaules, le dos, ils sont un peu plus pleins d'habitude, tu vois. On va essayer de te faire rebouffer. Tu te sens fatigué, là? Non. Genre, si là, tu... Il y a la fatigue parce que la journée était longue. Je me suis levé à 7h et, ouais. Et tu vois, en fin de prépa, t'as les 2-3 jours avant que tu dors pas bien. Si tu vas pisser, etc. Mais sinon, non, ça va. Refais un petit peu, je vais te regarder de plus loin. Mmh. C'est bien. Mmh. Bien. Ah, c'est bien ça. Bien. Vos pronostics, Seb ? Une boucherie. Du coup, on va faire 100 grammes de riz, une banane. Et... Donc 100 grammes de riz, une banane et beurre de cacahuète. On va pas faire viande parce qu'il y a pas besoin. Genre. Juste des carbs. Celui-là même là, tu vois, t'es tout plat là. Je suis plat. Mais là dans un placard pour qu'elle morcisse. Ah. Bon, non, elle c'est vrai. Bah tu vas détacher. Ah oui. C'est celle que je mange. Ok. Elle va noircir en 2 secondes. Mais n'importe quoi. Ta banane quand elle est à l'ombre et quand elle est détachée du groupe, elle mûrit plus vite. Putain. Ben. Ok, donc plus c'est mûr, plus il y a de glucides disponibles. Et de potassium. Coach. Ok, coach. Ok, coach. Okay. Après, si tu veux vraiment qu'elle soit noire. Coupé. Là, un peu de riz, un peu de beurre de cacahuète, comme ça, là, top, voilà. Ah super. Ah ouf. On le voyait avant que tu le sers. Ok, bien. Là, le bas du dos, il sort super bien. Ouais, mais on va faire ce que j'ai noté. Sauf qu'on va faire riz pour le premier. Parce que là, tu vois, t'as encore un petit peu de marche pour être bien plein. Mais ouais, en termes de fullness, tu vois, on va faire plus. Confiture miel, on va faire peanut butter, puis hop. Un petit 20 grammes. Ah, nickel. On a un petit 100 grammes de riz, confiture, peanut, café.
On a 8 places, Romain, par 20 places. Crédible. C'est une belle journée qui commence. Derrière. Derrière, je suis derrière moi. Ok. Bien arrivé à la ligne. Comment ça se passait ? C'est bon les abos. C'est bon les abos. T'as deux couches là ? Ah super. Super. Okay. Là avec du pump là ça va être bien. Vas-y gros. Sur celle-ci là ? Ouvre bien les pieds, tu vois. Ouais. Rapproche un petit peu, tu vois, là, t'as un gap, sinon. Ouais. Rapproche un petit peu tes pieds, que ça se touche. Ouais, et là, tu serres bien. Contracte le cul, comme ça, ça pousse vers l'avant. Voilà. Là, c'est rempli, tu vois. Quand t'es ici, là, serre un peu le bas du cul, tu vois. Voilà, comme ça, ouais. Attends. Écrase bien le pec, là. Voilà, là, t'as des détails. Voilà. Flex, plus souvent. Ok, ouais. Abdo-cuisse. Contracte tes obliques. Voilà, comme ça c'est mieux. Vas-y, vas-y, vas-y. Fléchis encore plus le biceps, ça va coûter bien du pic. Tu vois là, il ressort plus. Ouais. Ok, c'est bien. Ouais. Ah, ok. C'est bien, c'est bien. Quand tu vas pump et tout, il y aura du sucre et tout, ça va faire bien. Et donc, on présente la suite individuelle de cette catégorie Med Space Physique au jeune classe A, numéro 405, monsieur Gaëtan Boeuf. Merci Gaëtan, je t'invite à rejoindre ta place. À suivre le numéro 406, monsieur Frédéric Gores. Allez. Allez Gaëtan. On se tient. Les adducteurs Gaëtan. 405 et 406, vous switchez de place s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Allez gros. C'est bien Gaëtan. Allez, tiens-toi, respire. Allez. Les cuisses, les cuisses. Les cannes. Tape un mos musculaire. Souris Gaëtan. 418 et 405, allez, vous switchez. Voilà. 418, 405, vous switchez. Allez, c'est bien. Allez Gaëtan. Allez. À côté de vous. C'est bien. Tire sur les cannes. Messieurs, voilà. Double biceps. Allez Gaëtan. On y va. Allez, fléchis les bras. Fléchis les bras. Voilà. Merci messieurs, biceps cage. Allez Gaëtan. Allez dépêche. Le cul. Le pec. Le pec, le pec. Ça s'écrase. Voilà.
Nickel. Merci messieurs. Passez de dos pour tout le biceps. Allez, balance. Voilà, bouge plus. Nickel. Bouge pas, Gaëtan. Merci messieurs. Revenez sur de face pour cuisses abdominaux. Allez. Voilà. Bien. Nickel. Les obliques, Gaëtan. Voilà. Merci messieurs. Et maintenant votre pose classique favorite, s'il vous plaît. Allez, gros. Allez, ballon. Voilà. Tire sur les cannes, Gaëtan. Bien. Voilà. Les cannes. Merci messieurs. Gardez la position. Relax. Position corrigée, s'il vous plaît. Bien. Merci messieurs, je vous invite à regagner la diagonale et nous allons entraîner ainsi à vos routines. Se classe 5e de cette catégorie, le numéro 415, monsieur Paul Jaunet. Merci Paul. Se classe 4e de cette catégorie, le numéro 408, monsieur Jérémy Rojo. Se classe 3e, le numéro 406, monsieur Frédéric Gomez. Là, les juges ont un petit peu bataillé et nous avons délibéré. Il se classe aujourd'hui 2e de cette catégorie. D'après vous, le public, qui fait 1-2? C'est pas clair, j'ai pas bien compris. Se classe deuxième aujourd'hui, le numéro 418, monsieur. Oui, voilà, gros. Et donc aujourd'hui, vainqueur de cette catégorie Men's Classic Physique Open Class A, monsieur Gaëtan Boeuf. Seulement, s'il vous plaît. C'est bien, Gaëtan. Merci, Gaëtan. On se retrouve tout à l'heure pour le coup de catégorie.
merci. Messieurs, un quart de tour sur votre droite. Un quart de tour sur votre droite. Un quart de tour sur votre droite. Revenez de face, s'il vous plaît. Messieurs, double biceps. Merci, messieurs. Biceps 4. Merci, messieurs. De dos. Pour double biceps. Merci messieurs, revenez de face pour cuisses abdominaux. Merci messieurs, on enchaîne avec votre pose classique favorite. Merci messieurs, et je pense qu'il est venu l'heure du... Il est venu l'heure du... Un peu plus fort, il est venu l'heure du... C'est parti, pose down! Alison est déjà en place. Bravo messieurs, c'était sympa ce petit moment. Et donc, le vainqueur toute catégorie, Men's Classic Physique de l'Alison Test Cup aujourd'hui à Lille Grand Palais. C'est samedi 9 septembre. Hugo Daven. Avec Alison Hugo. On est à les amènes dans le milieu. Let's go! Allez! C'est parfait, gros! De dos! Allez! De face. Joli. 4-4-9, 4-5-9, échanger de place. Let's go. Let's go, Romain. C'est parfait, gros. De dos. De face. Super, bon. All right.
sur les lignes diagonales, to the sideline, allez sur la ligne diagonale. Next stop, numéro 459, Romain Doré. Let's go, Romain! And time. Continue. C'est ça, voici sur la ligne du côté, on va faire la présentation de médaille. Ouda ou un des deux. Ouda, c'est toi, c'est ton tour. Ok. Alors on fait les médailles maintenant. Sur la ligne du côté, merci. Voici troisième position, third place. 404 Anthony Audouin. C'est parti, Romain. Deuxième position. 449 Takur Emma Kumar. C'est pas gros, ça. Le gagnant, félicitations. 459 Romain Gervais. Yeah! Tant mieux. Romain va être dans les overalls, on va faire une belle pause, on va faire des photos avant. Prenez la main, prenez les mains. C'est parti, gros. Ok? Ok, seulement les athlètes. Belle pause pour les photos, belle pause de photos. Seulement gagnant, just the winner. Merci, merci, seulement. Just the winner now. Merci les gars. C'est bien gros. Une autre pause. Voici. Photo. Ben oui, ben, we got it. Félicitations, votre droit dans les overalls. Alors on continue. Brigade. Let's bring in the five competitors. 459, 455, 462, 466. 458 and 478. Alors, voici les gagnants de chaque classe. 459, Derek Romain. Yanni Akeni. 458, Jérôme Devenet. Allez, Romain! Let's go, Romain! Allez! Allez, gros! C'est parfait, gros! Tenez-vous la place. Parfait, gros! Voilà, c'est super, bon, allez. Magnifique, bien ça. Regarde bien comme ça. Alors, c'est une catégorie de bons gagnants. On est bien que vous êtes ici. On espère qu'on va pouvoir le pro qualifier parce que il y a des pros dans cette ligne ici, j'en suis sûr. Ok, pause de tout. Allez, Romain. Allez, Romain. Allez,
Que fasse. Allez, Romain. Allez, Romain. Allez, Romain. Voilà. Voilà. Super. À fond. 466, 459, échangé. Allez, Romain. Allez, voilà. Allez, Romain. Allez, Romain. Deux tours. Voilà. Spread them out, Johnny. Spread them out. Spread them out. All right. Do your back pose. Pose the dome. Voilà, allez. Allez. Yeah. Ouvre bien, Romain. Deux fesses. C'est bien, Romain. Super. Parfait. Super. Toi, t'auras la femme. Nickel, 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 All right, to the next Dakota. Ils ont tous des gagnants, tous des gagnants. Très bonne qualité. Tu vois, on a parlé avec ce du coup, sur ton physique, mais bien avant que le soir. À l'autre jour, l'autre fois, et là aussi, tu vois, avant de tout bon. C'est là. Alright, that's gonna find ya. Finalement, overall winner. Katagan with Jerome de Bergen. Hey, y'a, félicitations, vous êtes tous gagnants. On vous voit au pro qualifier. Il y a des pros ici, j'en suis sûr. Ok, merci les gars. All right, pour ceux qui sont ici, maintenant, on va commencer avec les femmes dans une quinzaine de minutes. Alors, ceux qui ont pris les billets de femmes, ils vont pouvoir sortir. Et on va fermer pour 15 à 20 minutes. Félicitations, Maria. Wow. Ah, il est à ça, là. Yes. Alors voici, on va tout sortir, on va retourner dans 15 minutes. En gros, c'est carrément encouragé. Parce qu'il me dit, en fait, on a pris le plus gros des deux. Parce que, bah, en fait, niveau volume et par rapport à ta taille, c'est très bien. Mais on a pris quand même le plus gros. Mais tu tires un peu plus dans le dos, dans les lombaires, et tu tires un peu plus au niveau abdos, toi, au niveau définition, flotte et tout ça. Tu fais un propellifère, mais en gros, tu fais pareil. Tu tires un peu plus au niveau des lombaires. C'est marrant, parce que c'est un petit peu le plomb. Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu le but des 5 prochaines semaines. Voilà, voilà. C'est Ron. C'est Ron, il m'a dit ça. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est un truc de. Ron, tu sais, il y a Chris Bumstead sur sa feuille. Christopher Bumstead. Voilà, voir cette pute. Non, mais en plus, il m'a dit au niveau de la ligne, c'est très bien. Au niveau côté. Non, mais mec, il m'a dit au niveau côté, il m'a dit, c'est magnifique. Tu fais quoi? Ron, tu dis ça sur Chris? Il y a une semaine, il a mis un update ou quoi? Je lui ai dit, je lui ai répondu à la souris, j'ai dit, écoute gros, je crois que c'est ton premier pro. Bon, ça encourage à tous les talents en fait.